Hey, salut tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du mercredi, même si je la fais un petit peu en retard, puisque je la fais dans la soirée, et elle ne sera normalement uploadée pour vous que demain matin, je pense, parce que je pense pas que vous allez attendre jusqu'à quelques heures du matin pour regarder ma vidéo. Donc voilà, je vais la faire sur Dawn of War Dark Crusade. Qui. Enfin, vous allez le voir, c'est un genre de jeu vampire dans l'univers de Warhammer 40 000. Si vous connaissez pas, vous me demandez, je vous ferai un petit topo. Je vais choisir une map simple, un truc que je connais bien, un truc où j'ai pas besoin d'être trop concentré. La garde impériale, les humains. C'est eux, voilà. Voilà, très joli. Lance la partie. Alors oui, je sais, je suis en retard comme d'hab. Oui, je sais, je parle pas très fort comme d'hab. Mais là, c'est le soir. Comme d'hab. C'est ce soir, je trouve pas le temps enfin de les faire avant. Je suis désolé, je m'excuse. Hein. C'est vraiment pas de ma faute. Puis je suis désolé pour le bruit de Skype que vous devez entendre derrière. Oui, Dawn of War, c'est de nombreux jeux que j'ai dans ce style-là. Donc j'ai Age of Empires, Dawn of War, la même chose, version Seigneur des Anneaux. Dawn of War, j'ai plusieurs versions. Hein. Puis d'autres un peu du même style, enfin bon, voilà. Ensuite, voilà, donc on part d'un QG qu'on a ici, on fait des troupes de base, des constructeurs, constructeurs, voilà, on se déplace avec les flèches directionnelles, on a besoin de la souris sinon. Bon voilà, c'est tout simple, hein. Le but c'est bien sûr d'écraser les adversaires. Donc on prend des points de contrôle. Comme on voit que les constructeurs, on peut construire que dans des zones. Enfin. Là on est à garde impériale, donc on n'a pas vraiment de zone, on peut construire un peu. Voilà, si voilà. On a une zone définie et les points de contrôle vont étendre dans cette zone en fait. Et on peut pas construire en dehors. Enfin si ça c'est des tourelles donc on peut. Mais logiquement on peut pas. Donc voilà, ça c'est des reliques, ça nous permet quand on aura un niveau de base un peu plus avancé d'avoir une unité spéciale. La garde impériale a un énorme tank. Très 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 fort qui s'appelle le Baneblade, que je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo parce que je compte pas vous montrer une partie entière. C'est peut-être un peu inintéressant, peut-être un peu trop long. Donc voilà, si ça vous plaît en tout cas vous me dites dans les commentaires, je vous ferai une vraie partie entière. Donc là on va voir qui je suis avec le chaos. Bon, pas très logique mais bon, regardez comme il est mignon. Bref, voilà. Donc, point de contrôle, 8. Une tourelle, bon, enfin voilà. Ça, vous voyez un peu le style du jeu. Alors, ça, c'est une caserne. Ah, voilà, une caserne. Hop. Non, d'ailleurs, les troupes, on va les faire pour le dernier point de contrôle. Ensuite, donc oui, je suis désolé de ne pas parler assez fort, j'espère que vous m'entendrez bien. Parce que bah il est quand même assez tard et puis je suis un petit peu fatigué, même s'il faut pas que j'aille me coucher tout de suite, j'ai encore des trucs à faire. Et oui, vous devez peut-être avoir envie de vomir à force de comment ça bouge. J'en suis désolé, je vais essayer de faire un peu mieux. Enfin je vais essayer d'arrêter un petit peu justement. En même temps il n'y a pas trop le choix. Voilà, ensuite qu'est-ce que je veux vous dire, oui, que maintenant les vidéos du mercredi ça allait être surtout soit des gameplays de jeux divers et variés, soit des démos de jeux que je prends sur Steam. Donc souvent c'est des gratuits hein, évidemment parce que c'est des démos, ou bien des jeux gratuits d'ailleurs justement. Que je vous présente, soit peut-être un futur let's play, ou
enfin si un let's play sur ma chaîne, ça sera, enfin sur notre chaîne puisque nous sommes deux, ça sera sans doute le mercredi. Ensuite, je suis bien content des échos que vous avez réservés à la série Fist of Beast qu'on va faire. Et je tenais particulièrement à vous remercier, ça nous a fait très 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 plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, je voulais dire que bientôt il y aura peut-être un live si le nombre d'abonnés grandit un petit peu, donc n'hésitez pas à en parler un petit peu autour de vous. Ça me fera très 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 plaisir. Et Altero aussi, bien sûr, évidemment, même si vous l'avez pas encore beaucoup vu dans la vidéo, on a beaucoup de mal à se retrouver. Et donc voilà. Ah, sinon, j'ai mon nouveau disque dur externe. J'ai pris directement un Tera, pour ceux qui savent pas ce que c'est un 1000 gigaoctets, donc je devrais avoir de la place pour faire des gameplays assez longs. Donc voilà, un petit mot aussi à Calvin, un de mes potes. Je voulais lui dire, enfin, il a pas d'ordinateur, il regarde mes vidéos sur son téléphone, il a une PS3, donc je lui ai demandé, enfin je lui dis un petit mot comme ça hein, quand il verra ma vidéo, pour lui demander, enfin pour lui dire qu'il n'hésite pas à me donner un gameplay s'il peut enregistrer avec sa PS3, je ne sais pas, qu'il n'hésite pas, je ferai un gameplay commenté où il jouera avec moi, enfin ça sera, c'est aucun problème, je l'invite même à faire ça s'il le souhaite. Donc voilà. Ensuite un petit mot à Amine, parce que je vais faire une vidéo de pour présenter son serveur Minecraft. On devait le faire le mercredi là, mais bon, ça s'est pas fait, donc Amine, désolé, mais t'inquiète, ça sera bientôt, on le fera. Et ensuite, je m'excuse si ce gameplay va se terminer maintenant, qu'il vous paraît trop court, qu'il vous paraît inintéressant, que vous trouvez que je parle pas assez fort, que vous en avez marre de moi, de mes vidéos, parce que, je sais pas, vous voulez voir Alto Hero, ou voilà, ou vous avez envie de vomir quand je fais ça, ou bref. Voilà, donc je m'excuse d'abord, enfin si c'est... sinon, je pense que vous avez bien aimé, donc si vous êtes resté jusqu'ici, donc voilà. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime à la vidéo, ça me fera super plaisir, et ton héros aussi, il sera super content, je vous promets. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, je prends beaucoup de plaisir à y répondre. Donc voilà, allez, salut.